Le frigidaire est vide, le compte en banque aussi. Alors le détaillant se dit qu'il deviendra grossiste. Et il se dit qu'un jour, le soleil se lèvera avec le sourire d'un enfant qu'il tiendra dans ses bras. Un fils, une fille, en bref une descendance qui grandira avec brio malgré ce que les gens pensent. Et puis, le détaillant devient plus réaliste. Il baisse les bras mais pas la tête pour affûter sa rime. Il veut grossir, encaisser jusqu'à l'épuisement, tandis que les gauches font la course à l'amaigrissement. On le dit barbare, vandale ou marginal. Vu qu'il vend au détail, tu crois que la marge est maximale. Mais non, ça roupille un petit peu partout. C'est la routine entre quatre murs ou entre quatre tours. À tous les carrefours, il attend le coup de fil. Il rêve d'un monde où la vie n'aurait pas un goût de pisse. J'ai besoin d'un service. Ouais gros, à tout de suite. Et dans ses mains l'avenir a pris la forme d'un bout de shit. Ok, le détaillant ne veut plus batailler, mais son curriculum veut l'empêcher de travailler. À tous les entretiens, sa tête lui fait défaut. Il a lâché l'école pour la pêcher lécher des cônes. Il doit chercher des loaves pour sa part du loyer. C'est l'enfant seul qui a dû grandir dans de nombreux foyers. Malhonnête, mais c'est lui qui ne va pas se déballonner. Il n'en perd pas une miette quand il prépare ses ballonnets. Détaillant tape la mise sur un pigalle pour barber tous les touristes. Comme ça au moins c'est radical l'animal. À surmonter les coups durs, sache qu'il voit la vie en grand avec des petites coupures. Il est coupable d'être né sans un copec, qu'il soit Blackbird ou Toubab. Il cherche un emploi correct, il évite l'alcotest, bien trop souvent positif. Il refuse l'autorité, se doit d'être incorrigible, il cogite. Le détaillant voit trop de films, comment percer dans la zic avec un CV anonyme. Laisser une trace comme il fait sur une plaquette. Le toxico est trop pressé comme un citron ou une gâchette. Il a douté, la maille manque à l'appel. Car ici, les artères peuvent se couper comme des lamelles. Du camas à l'appel, le parcours est trop foiré. D'en bas, il regarde sa mère avec les menottes au poignet. Paraît que mieux vaut se proclamer roi, c'est élémentaire. Détaillant, c'est la hyène en bas de la chaîne alimentaire. Seul dans l'histoire, tous les jours, il se bat pour la mif. Échec scolaire et bicraft, c'est juste un parcours classique. Il a le vice dans la tête comme celui de sarcopratique. Détaillant, bac-5 en option narcotrafic.